Hey, 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 coucou mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo réaction du nouveau pack Sims qui va sortir. Vous voyez, je suis en train d'enregistrer, ça va commencer, c'est sur la chaîne des Sims américains, parce que j'ai pas vu qu'ils le faisaient dans les Sims Normal France. C'est juste la folie, ça va commencer dans quelques secondes, donc j'ai trop hâte. C'est une première, donc en gros c'est comme si c'était un live, ils vont nous annoncer ce que c'est. Donc je me suis dit que j'allais enregistrer ma réaction, comme ça vous saurez si je suis contente ou pas, déçue ou pas, qu'est-ce que je vais remarquer, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. J'avoue que leurs têtes comme ça me font flipper, mais en même temps je me dis oui c'est peut-être armé, ça a très connotation armée, tout le monde dit que c'est armé, mais ou avec Zarville et les aliens, mais bah les aliens on les a déjà, donc en fait je sais pas du tout. Ça va être la révélation, on va attendre, ça va vraiment être dingo, du moins j'espère, parce que le teasing est ouf avec toutes les têtes qu'ils ont mis sur Twitter, c'est avec ces têtes-là et la façon de marcher qui a l'air complètement oh, what the fuck, c'est assez rigolo, et donc j'en ai, ben voilà, ça commence, aïe 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 aïe, ça commence dans 1 minute 50, ouh c'est hyper fort. Et bien sûr, je vais pas vous faire poireauter les 50, hein. C'est moi qui vais poireauter, je me retrouve quand ça commence. Ok, 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 ça y est, ça y est, ça y est. Oh. Aïe, 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 le stress. Attention, c'est parti, mon kiki. Oula, une maladie. Ah d'accord, ok. Oh la vache. Je ne devrais pas penser là. Ah, ça m'a l'air quand même d'être armé, hein, entraînement, sanitaire. Ah, la coupe de cheveux est trop cute. Ah, mon dieu. Nouveau monde, ça c'est confirmé. Ouais, ok. Oh, je me tais. Oh, punaise. Pardon. La coupe, elle est trop bien. J'adore. Ah, ils sont tous chiants. Oh là là, mais c'est vraiment... Alors, c'est possible, c'est pas les zombies, hein, donc... Strangerville! Et voilà, on est parti, Strangerville. Voilà, voilà, voilà. Ben écoutez, tout le monde disait que c'était Zarville, et ben en fait, ils ont eu quand même assez raison. Alors, je vais me le remettre en espérant que ce soit une qualité nettement meilleure et en faisant pause pour plusieurs choses. Alors, bon, la qualité est toujours pas super. On dirait une petite caravane, ça déjà, le haut vent, on l'a pas. La petite barrière, je crois que oui, tout ça. Je vois rien du tout, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, la caravane comme ça, c'est sûr, on l'a pas. Et ce paysage-là, c'est pour une nouvelle map, donc ce sera Strangerville, Zarbville, je pense, ou Bizarreville. Ça dépend comment ils vont le traduire en français. Je sais pas quoi dire pour l'instant. En fait, je m'en souviens pas du tout, moi, de Zarbville, tout ça. Je sais que ça existait, mais j'ai pas de souvenir là-dessus, donc c'est un peu... je sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Je ne vois pas. En même temps, j'ai une qualité, pourtant c'est à 1080p, mais... Et en fait, elle est malade, et... Aïe, 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 on dirait l'exorciste, un peu, quand même. Je veux pas être... Elle est complètement à l'envers, la meuf. Ça fait peur, mais en même temps, ça peut être sympa. Et ça a l'air de faire mal. Hein. Alors, nouvel objet pour s'entraîner, je pense, que ce soit à l'armée ou pas. Ça, on l'a déjà, ça, on l'a déjà. Peut-être un nouveau plan de travail, je dirais. Peut-être, j'en sais rien. Le sac, on l'a déjà, ça, on a déjà... Il n'y a pas l'air d'avoir forcément beaucoup de trucs nouveaux dans cette scène. Et j'adore sa coupe de cheveux, je sais, je l'ai déjà dit, mais je la trouve vraiment très mignonne, elle est très sympa. Ok. Là, l'environnement, quoi.
Ça fait penser au Grand Canyon, je pense, hein, aux États-Unis. C'est vraiment ça. Donc, je pense que ce sera le nouvel endroit où on pourra se balader avec une place, un bâtiment. Je ne saurais pas trop dire ce que c'est. Je ne suis pas sûre qu'on puisse habiter. Peut-être que c'est une destination de vacances. Je ne sais pas. En tout cas, alors attendez, on va revenir rapidement. Nouveau chapeau, nouvelle coupe de cheveux, nouveau haut. Avec un truc un peu frangé, poilu. Lui, il a une super coupe de cheveux. Je kiffe déjà. Un peu rasta long et tout ça. Magnifique. Nouvelle veste aussi. Bien sûr, l'environnement est complètement nouveau. Là, on a un uniforme de l'armée. Un uniforme de l'armée. Le fameux véhicule bâché qu'on a vu en l'arrière-plan du premier gif qu'il nous a envoyé. Ok. Avec les trucs de plan de vache, tout ça. Là, on a vu derrière. Une nouvelle tenue, enfin plus un peu plus cow-boy du coup, hein. On est carrément plus dans l'univers cow-boy en fait. Hein. Lui, du coup, il a ce superbe chapeau qui, je pense, évite que les aliens vous lisent vos pensées. D'ailleurs, il y a des masques aliens derrière. Est-ce que c'est vraiment un truc avec les aliens? Sachant qu'on les a déjà des aliens, je sais pas trop. Donc elle a un nouveau haut aussi. Bon, ça c'est nouveau aussi. Ça fait Illuminati ici. Ok. C'était une poubelle, je crois. Et là, ils vont voir leur amie qui est folle. Qui est devenue folle. Ça me fait trop rire la tête. Oh, je sais pas comment c'est. Je sais pas en fait. C'est trop bizarre. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il va y avoir dedans. Nouvel objet ordinateur, tout ça. Ils vont capter des ondes, peut-être. Peut-être qu'ils vont chasser les aliens en fait. Je sais pas trop. Ils sont trop flippés et en plus on a les bruits. Ils sont. C'est trop flippant. Alors, carcasse d'un avion écrasé. Je pense que ça sera un truc à visiter ou peut-être un terrain par défaut comme un parc, mais je pense pas en fait. Je sais pas comment ils vont l'amener, si c'est un truc un peu destination de vacances ou pas, ou comme dans les. Comme vous savez, comme dans la jungle, où on accède à plus en plus d'endroits, en fait. On ouvre une porte, on accède à un endroit particulier. Une plante bizarre, ça c'est sûr. Hein, dans Strangerville, il y aura des plantes bizarres. Et elle est sympa, elle est colorée, tout ça. Les barbelés, les zones, les espèces de trucs un peu militaires, je ne sais pas trop. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus une destination de vacances. Oh, par contre, là, ils font flipper sa mère. J'adore! C'est complètement dans l'esprit des Sims, où ils sont vraiment nawak, quoi, ça part dans tous les sens, ça me fait vraiment rire. Là, c'est les MIB, hein, c'est Men in Black, Will Smith et sa coéquipière. Les agents du FBI, quoi. Je sais pas trop, en fait, ce que ça inclut vraiment. Et hop, elle tombe, on sait pas trop. Ah, d'accord, j'avais pas du tout vu. Alors, j'avais vu le gros machin qui explosait, là, l'explosion. Et tous ces trucs-là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là de l'uranium? Je ne sais pas, ça me fait penser aux trucs dans Fortnite aussi, hein, les trucs qu'on mange, les champignons magiques pour avoir du bouclier. Et voilà, Strangerville. Ah, ouais! Ah non, en fait, ce serait un truc un peu chimique pour faire pousser des plantes cheloues. Enfin, en tout cas, moi, le truc me fait penser à ça. Bah écoutez, on va aller voir. Strangerville, première partie, le mystère commence à se dévoiler. Deuxième partie, le 22 février, d'accord, dans 2 jours seulement. Troisième partie, le 1er mars. Et quatrième partie, le 8 mars. Et ça sort quand? Le 26 février. What? Ça sort dans 6 jours? Ils sont fous? Ils sont ouf? Oh, dans 6 jours! Mon Dieu, c'est génial! Allez, commencez votre enquête et percez le mystère d'une ville dans le désert qui cache un sombre et profond secret dans les Sims 4 Strangerville. Yes! Oh, ça me plaît! Dans cette ville sinistre, les Sims ont un comportement bizarre pour des raisons inconnues. Y a-t-il une conspiration? Cette force étrange va-t-elle s'emparer de votre Sim? Découvrez l'histoire du laboratoire secret où les Sims rencontreront des plantes étranges
et interagiront avec des appareils singuliers. Parviendrez-vous à résoudre le mystère? J'adore! Caractéristiques principales, un monde différent. Explorer Strangerville, une ville rurale dans le désert, pleine de secrets. Découvrez une météo bizarre, des habitants inquiétants, des plantes dangereuses, des objets à collectionner étranges et bien plus encore. Découvrez toute l'histoire plongée dans film, dans les événements uniques et mystérieux. Des fourgons banalisés apparaissent dans les quartiers. Des agents du gouvernement utilisent du matériel d'écoute secret dans les scanners. Mais les scanners sont essentiels pour détecter les éléments inhabituels. Percez le mystère. Envoyez vos Sims enquêter à l'aide de leur formation militaire et cherchez des indices pour résoudre le mystère du laboratoire secret. Et préparez votre Sim. Mettez votre Sim d'humeur à résoudre les mystères en leur faisant porter des vêtements inspirés du désert et des treillis militaires. Ou préparez-les pour la fin avec des vêtements sur le thème de la conspiration, des tenues d'agents secrets et une combinaison de protection. Eh bien, je vais vous dire que je vais sûrement faire un let's play spécial Strangerville. Mais après, je pense que tout le monde le fera, mais je le ferai aussi à ma manière, comme d'habitude. Et en tout cas, j'ai hâte. En gros, c'est et armée et un peu zone 51. En fait, j'avais des gros doutes. Je me dis, ça me fait penser un peu à la zone 51, le fait. Enfin, et en fait, on est un peu dans l'histoire, on est un peu dedans, et on en saura plus dans 2 jours. Bon, et eh ben c'est génial. Moi, j'ai trop trop hâte. Un nouveau pack. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce que ce pack-là, je pourrais me l'offrir avec l'argent que j'ai récupéré sur Utip grâce à vous qui regardez des pubs quand je vous demande de faire, ou même quand je ne vous demande pas. Dans la description, il y a un lien Utip. Vous pouvez regarder des publicités pour m'aider. Ça me donne à chaque fois 5 centimes par publicité. Et ça m'aide, voilà, à financer les prochains packs des Sims. Et donc, du coup, mille merci. C'est grâce à vous que je pourrais me l'acheter. Allez, moi, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures sur YouTube. Et sur Strangerville, évidemment. Et sur Strangerville, évidemment. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Salut!